Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur The Valley of the Farm. On calcule tout, oui. Moi j'aime énormément cette série où on prend énormément de plaisir. Et ça il faut le savoir, et ça c'est super important. Parce qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir. Que ce soit moi, Cédriac, Cédric ou Alexis, puisqu'on est quatre sur la partie. Tim Agri nous a rejoint mais il ne veut pas faire de calcul. Il préfère rester dans son petit coin et il a bien raison, il fait ce qu'il veut. Mais nous on voulait vraiment calculer et on prend énormément de plaisir et ça c'est vraiment cool. Et c'est là où on reprend du plaisir à ce côté farming, parce qu'il y a ce côté où on calcule vraiment tout et n'importe quoi. Et voilà, donc voilà, je voulais vraiment le souligner qu'on prenait vraiment de plaisir et je pense que ça se voit. Il y a même Cédric qui m'avait dit que ça s'entend au son de ma voix, qu'on prend énormément de plaisir. Je trouve ça cool parce que voilà, ça fait un moment qu'on joue et on trouvait pas un petit peu, bah on n'arrivait pas à trouver nos marques un peu sur ce farming, et là les retrouver comme ça, bah ça c'est trop cool quoi. Du coup c'est trop bien. Je suis avec mon 7810, oui, mon tracteur préféré qui est arrivé 14h. Je l'ai fait installer le GPS. Comme vous pouvez le constater, c'est la fameuse parcelle. Regardez, c'est la fameuse parcelle où on a acheté le champ 53 et le champ 90 avec la forêt. Ou ce qu'il en reste, du bois. Voilà, ce qu'il en reste. Alors, du bois, c'est la vie. Du bois, c'est le pognon. Du bois, ouais, c'est tout ce que vous voulez. On va faire un petit point. Est-ce que ça consomme des graines si je m'arrête? Attendez, je vais juste arrêter ce mois. On va faire juste un petit point avec l'équipe d'en face, qui eux sont à 110 000. Okay. Mais eux ont opté pour une façon de jouer différente de la nôtre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je suis parti dans le bois. Et eux n'ont pas coupé un arbre. Eux, vraiment, ils vivent de leur culture et de leurs animaux pour le moment. Mais nous, on est vraiment parti dans ce côté bois. Voilà. Donc notre ferme s'appelle Jouant avec Cédric, ouais. J'ai trouvé ça drôle de faire ça. Mais nous on est parti, ouais, vraiment dans le côté bois, parce que moi je connais le bois je sais que c'est le pognon, le bois c'est la vie, le bois c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas... Les cultures ça rapportait pas au début, c'est vrai que c'est un peu dur. On serait avec le mode saison, là il serait ruiné les gars là, il serait complètement ruiné. Hein. Mais bon, voilà. Du coup je vous montre un petit peu, je vais vous montrer le tableau. Hein, comme d'hab, vous connaissez les bails maintenant. Hein. Je vais vous montrer le tableau et vous allez voir qu'en bois j'ai fait 972 957. J'ai bientôt fait le million. Avec tout le bois qu'il y a par terre, ouais, j'ai fait le million. Hein. Donc vous voyez, chaque remorque vaut entre 35 000 et 40 000. Hein. Bon, il y en a un peu moins des fois. Et quand ça commence trop à diminuer, je crois pas que ça a d'impact sur le bois, mais il y a des moments où on touche que 29 000, mais on doit mal les charger. Et question recette, on avait fait 126 000. Et depuis, j'ai pas compté cela. Hein. Donc il y avait 126 000 ici. Donc je fais quoi? Comment je pourrais faire ça? Si je pourrais faire ça. Non, je peux pas faire ça. Si je peux faire ça. Non, il peut pas faire ça. je fais ça. C'est égal à ça. Plus. La nouvelle recette qui est là, ça, et entrée. Donc pour l'instant, recette, on a fait ça, quoi. Voilà, on a fait ça, et je marquais à côté parce que des fois, je fais des trucs avec vous, et après, quand je retourne dessus, voilà. Donc total champ, pour le moment, on a fait 192 455, en sachant qu'on n'a pas tout vendu, hein. En sachant que ça et ça, ça n'a pas été vendu, ça, c'est stocké pour nourrir nos poules, et voilà. Donc pour le moment, vous voyez que j'ai semé le champ en avoine. Je me suis même aperçu que finalement, l'avoine, c'est celui qui vaut presque plus de graines pour le moment. Regardez, en avoine, on met énormément de graines. Voilà. Donc, et comme là, regardez, c'est trop cool. Genre, on a semé, on a eu le même nombre de graines. Voilà. Avec le même semoir, le Vanderstal en 6 mètres. Ici, pareil. Même nombre de graines, c'est marrant. Et le colza, en champ 53, c'était des patates. Ok, des patates que j'ai récoltées. Et des patates que j'ai récoltées, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, on a récolté les patates, on a fait 127 558 à 314 €, qui a fait un total de 40 000 balles, en sachant que j'avais loué la machine, mais 40 000 balles, qu'on arrive, vous n'allez pas me croire,
Mais à 20 000 euros l'hectare. Et ouais, parce que le champ fait 1,93 €, donc c'est à peu près ça. On arriverait dans les... On n'est pas tout à fait à 20 000 euros l'hectare, mais on serait à 19 000, 19 500, 19 600 euros l'hectare. Hein, en sachant que bah il n'était pas labour, il n'y avait pas de labour, il n'y avait pas. Voilà, moi j'avais juste mis deux engrais, c'est tout ce que j'avais pu faire. Herbicide, j'avais pas eu besoin, il n'y avait pas de mauvaises herbes. Et les semences, c'est pas moi. Et bien sûr, les semences, parlons-en. Si vous voulez, je peux vous montrer. Je crois que c'est dans brouillon. Non, c'est dans règle de partie. Voilà, j'ai noté quelques trucs ici. J'ai noté quelques trucs ici, et donc il faut tester. Et donc, vous voyez que les graines en litres, si je prends 7 000 litres, il faut à peu près 7 000 litres pour semer ce champ-là. Hein, ça, c'était à peu près ce qu'il fallait. À 0,60, il m'aurait fallu 4 200 euros en achetant les graines au magasin. Mais regardez, le prix des pommes de terre était à 314. Si j'avais gardé 7 000 litres de côté de pommes de terre et que j'avais ressemé avec ces pommes de terre que j'avais récoltées, bah, mon coût aurait été de 2 198. Donc 50% moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ne pas oublier la virgule après les remorques. Ok, d'accord. Pour l'engrais, chaud, merci d'utiliser sac génétique pour le calcul. Ok, merci, d'accord. Ici, ouais, parce que je voulais répondre à votre question et du coup je vais y répondre. Le pourcentage de perte en fait est de 10% si on ne fait pas un herbicide. Mais 10% sur la paille, qui est égal à 20%. C'est ce que dit Farming. Farming dit à défaut et à défaut 20%. Mais en réalité, sur du soja, du colza, tout ce qui n'est pas le soja et attends, colza, soja, il y a quoi? Je sais plus, c'est tout. Bah, qui n'a pas de paille, bah, du coup, c'est en fait votre perte, elle est que de 10%, elle est pas de 20%, elle est que de 10%. L'herbicide, vous avez une perte de 10%, mais si vous faites du blé et que vous ramassez pas la paille, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous voyez ce que je veux dire? Votre perte, elle est que de 10%. Finalement, faire un herbicide qui vous coûterait 500 balles, qui vous coûterait 500 balles pour un petit champ ne vaut vraiment pas le coup, en fait. Le pourcentage entre l'engrais liquide et solide est de 25%. Le mieux reste le solide. Donc il faut prendre vraiment du solide parce que si vous prenez du liquide, bah 25% de plus. Voilà. Attention les machines à louer, coûte d'argent par heure. C'est moi qui ai marqué ça parce que j'étais perdu. Les œufs, c'est 150 litres de carton parce que moi dans mon tableau j'avais mis 100 litres. Voilà. Donc pour l'instant on est à ça. Donc c'est pour l'instant. Donc c'est pas validé, c'est pas opérationnel. Donc on va faire pour tout machin. Il nous aurait fallu un champ de pile-poil de 1 hectare à chaque fois, mais bon, ce sera du comme ça, les gars. Les animaux de JD, tout va bien pour l'instant. Ça, je voulais en revenir. J'ai dépensé 80 000,95 € pour avoir 120 poules. Ouais, les mecs, 120 poules. Et ça m'a rien rapporté du tout pour l'instant. Hein. Et j'ai dépensé 180 000. Donc avec les frais de construction, les frais de déplacement, parce que les frais de déplacement étaient de 1 800 balles des poules. Nombre total, reproduction, j'en ai eu 4, et donc voilà. Et donc je mets à 22 h, et donc ce soir je reprendrai à 22 h. Bref, vous avez tous les calculs qui sont ici et qui sont vraiment tip-top. Ensuite, il faut savoir que nous, ça nous a coûté 80 000 balles pour 120 poules, mais par contre chez Cydriac, ça leur a coûté 7 000 balles. 7 000 balles. Pourquoi? Parce que nous, on a dû acheter un bâtiment, que eux, ils avaient déjà un bâtiment posé sur leur truc. Vous voyez? Donc, c'est plein de petits trucs comme ça. Alors, je vais vous montrer vite fait la ferme. Donc, la ferme, elle a un petit peu changé. J'ai fait quelques bricoles. Hein. Et surtout, si vous avez remarqué, j'ai un nouveau tracteur. Non, vous l'avez pas remarqué? Ah, c'est incroyable. J'ai vendu mon Valtra. Et j'ai acheté un 6920. Voilà, je vais partir chez Jolder. Hein. Voilà. Donc celui-là, il est top, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'inverseur. C'est super chiant, par contre. Il n'y a pas l'inverseur. Que les autres ont l'inverseur. Donc du coup, côté habitué. Alors, petit Karcher, il a été posé là. Ici, c'est là où on stocke les semoirs. On a dû acheter un épandeur à chaud. J'ai pas pris beaucoup de mods, hein, voilà. Et j'ai posé un garage ici qui a fait un petit peu de la, qui a fait un petit peu de la merde ici. Bon, c'est pas si grave que ça. Voilà. Et donc voilà.
mon petit tracteur et puis j'en achèterai sûrement un autre. Et dans cette vidéo, on va acheter un champ. Ouais, on va acheter un champ. Donc là, c'est notre silo de stockage. Et puis là, on a notre poulailler. Notre poulailler, une fois qu'il aura les 500 poules, on remettra un deuxième poulailler. On essaiera aussi de faire les vaches. Ici, j'ai construit une petite route et tout. Tout ça m'a coûté de l'argent, hein, bien sûr. Je l'ai noté sur le Google Doc, mais voilà, tout ça. Ici, j'ai dû aplanir un petit peu. Et voilà, mes petites poules sont ici. Mais pour l'instant, on n'a que ça. J'ai pas mis de cage dedans, vous savez, les fameuses cages qui machin. J'ai pas fait encore. Voilà, les petites poupoules sont là, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Et donc, ces champs qui sont là, là, derrière, là, que j'ai semé, serviront tout simplement après, plus tard, à la construction pour les bâtiments pour les vaches et tout ça. Puisqu'on essaiera d'aller jusque-là pour compléter mon tableau. Donc, moi, j'aimerais bien acheter une parcelle, voilà, tout simplement. J'aimerais bien acheter ça. J'aimerais bien acheter celle-là, ou alors acheter autre chose. Vous voyez ? Celui-là me plaît bien aussi. Donc 27, 28 ou alors le 34 et 39. Le truc c'est que moi je me dis que vaut mieux regarder ce qu'il y a dedans parce que sinon je vais me faire couillonner. Et direct à l'œil nu je sais que je vais acheter le 27, 28. Là il y a du maïs et j'ai pas la barre de coupe. J'ai pas la barre de coupe de maïs donc je vais pas aller acheter ça pour le moment. Donc là il y a du maïs et il y aurait de l'avoine. Et ici il y a du colza et de l'avoine. Donc voilà, le choix est vite fait, le nombre d'hectares est plus grand, le prix est de 322 000, ouais, et ben ça part sur un achat, 322 000, alors je vais marquer 322 934, voilà, champ. Ça fait mal au cul. Voilà. C'est à nous. What the fuck. 322 934. Ok. Donc, c'est le champ... combien 27 et 28. Ok. Donc, vous allez... je vais dans mon tableau. Ferme de JD. Je vais ici. Et du coup, je mets terrain détail. Vous voyez, terrain détail, ça m'a coûté 612 balles. Mon garage, ça m'a coûté 28 000 balles. Le silo, 110 balles. Voilà, vous voyez. Bon, après, c'est mélangé dans le terrain, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais mettre ici. Je vais marquer champ 27-28, je crois. Je crois que c'est ça. 27-28. Là, bien, je vais vérifier. Et donc, du coup, m'a coûté 322 934. Ouais, parce que j'écris tout sur une feuille aussi, l'informatique et moi, vous savez comment sont les vieux. Hein. Quel connard. Et normalement, il me reste 113 080, parfait. On est bon. Et en plus, bah, je vais pouvoir récolter ce champ-là. Je pense pas qu'il y ait de l'engrais dedans, je suppose. Tu penses bien, il doit être labouré. Il n'y a pas de chaud et il n'y a pas d'engrais. Merci. merci. Ah là, c'est mignon. Ah que c'est beau. Enfoiré, va. Je vais noter quand même la superficie. Donc 27, 3 hectares 7. Ah bah c'est parfait celui-là. Il va pouvoir me donner des détails. Ah ouais, 3 hectares, c'est parfait. Moi ça m'arrange. Et l'autre, il fait combien? 0,81. 0,81. On va pouvoir faire des tests sur celui-là, ça va être top. D'accord. Et donc c'était bien 27 et 28. 27 et 28. Ok. Et là, il dit que je vais avoir un rendement de potentiel, récolte potentielle 25 000 litres 45. Attends. 25 000 450. C'est bien parce que. Mon tableau, un brouillon, please. Donc, on va faire ça. Je vais faire ça. Bah là. Là, ça devrait être parfait. Donc, il dit qu'on va avoir 27 000. Si je dis pas de conneries. Non, 25 000, je crois. 25 450. Ah non, j'ai oublié la virgule. Il faut vraiment que j'approche mon clavier, moi.
25 450, ouais, c'est ça. Et du coup, on le vendrait. Bon, moi, je vais faire ça comme ça, hein, 1231. 1231. C'est juste pour avoir une, vous montrer qu'on peut faire du prévisionnel. Donc, ça, et donc, ce serait à 1231. Et donc, il me ferait 31 329 si je le vendrais à ce prix-là. Vous voyez, bon, je vais le stocker, hein, parce que le prix est bas. Mais voilà, je me tape ça sur le champ. 31 329, c'est pas mal. Ça veut dire que j'ai acheté le champ 322 000. Faudrait faire 10 fois ça pour amortir le champ. Bah putain, ok, il faudrait faire 10 fois ça pour amortir le champ. Bah c'est très bien, 100 mètres d'ouvrier bien sûr. Et là, il doit être labouré, a besoin de chaud, il n'y a rien dedans, quoi. C'est... Voilà, sinon on aurait fait beaucoup plus. Je vais retourner dans mon tracteur. Voilà. Puis, je vais l'allumer. Et puis, on va continuer tranquillement. Voilà. Bah, c'est plutôt cool. Donc là, pareil, je mets du colza. Ça fait peut-être beaucoup de colza. C'est parce que je suis en train de faire les tests sur les colza pour savoir le nombre à l'hectare. D'ailleurs, j'ai semé ce champ là en colza et j'ai semé l'autre. Je vais vous montrer comme ça je m'arrête pas. Le 53, j'ai semé aussi en colza, mais sans labour. Voilà, voilà pour continuer la période de petit test tranquillement, mais sûrement. Voilà. Donc, oui, j'ai encore des bois, hein, j'ai encore un arbre là, j'ai encore tout le bois du fond là-bas, j'ai encore un petit peu qui est à moi. Après, je garde cette parcelle là parce que j'ai quand même ces deux champs là. Et j'achète une nouvelle parcelle de bois et je continue ainsi de suite. D'ailleurs, j'ai toujours la location de la machine. Et puis, je ferai un total de combien ça m'aura coûté. Mais je vais bientôt frôler le 1 million avec le bois. En toute honnêteté, avec tout ce qu'il y a par terre, je les ai déjà. Hein. Là, il y en a. Là, et de l'autre côté, là-bas, il y en a encore. Et tout au fond, là-bas, c'est plein de bois. Voilà. Donc, j'ai vraiment. Ne vous inquiétez pas. Question bois, question bien. Question bois, je suis bien. On a mis des oui, on a mis plein de modes sur le serveur, donc Cédric va faire un côté fen, va faire son côté fen, et moi je vais faire mon côté John Deere. Voilà. Ah, pourquoi John Deere? Parce que je sais pas, je pourrais pas vous dire. Moi, vous savez, je suis multimarque, donc du coup je suis pas emmerdé avec ça. Mais John Deere, j'en ai eu un pendant 15 ans. Je touche du bois, malheureusement il va partir là incessamment sous peu. Il part en reprise pour un Valtra. Normalement, pour un Valtra, je dis bien normalement, je sais pas, j'ai pas reposé la question depuis, mais normalement pour un Valtra, c'est rigé. Et donc, du coup, il aura fait 16, 17, ouais, 17 ans de loyal service. Et le moteur a été refait, malheureusement. Le moteur a été refait, et sinon l'inverseur. Vous voyez, l'inverseur avait été changé. C'était pas comme ce système-là. C'était vraiment un inverseur au volant, et il avait été changé. Voilà, parce que la cabine qui était suspendue comme ça, avec les fameux, vous voyez là, vous le verrez pas, mais voilà, bref. La cabine avait coupé le fil, c'était une maladie chez John Deere, ils en avaient rappelé quelques-uns de la série 6110. Voilà. Parce que la colonne de câble passait justement sous cet amortisseur en caoutchouc, sous ce cylindre bloc finalement, et une grosse bosse pouvait les couper le fil. Donc voilà. Voilà un petit peu l'histoire. Et donc voilà, c'était une façon de lui dire au revoir. On va faire une ferme 100% John Deere. Un petit peu. Alors là, par contre, ces champs, il les a mis carrément sur la baraque, quoi. Ouais. Donc c'est à moi de. Ça va être à moi de délimiter le champ, je pense. Ouais, je vais délimiter comme ça. Il a dû faire le champ et poser la maison après, je crois. Hein. Non? Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas le terrain d'angle. Du coup, ça ne suit pas le terrain à la semi.
Vous voyez, ça suit pas le terrain. Mais c'est, pour moi, c'est parce qu'elle devait partir sur console, vous voyez. Elle devait partir sur console, donc voilà. Je vais me mettre bien quand même. Hop. Attends, mon chou. Voilà. Parfait. Bon, moi, je joue tout au joystick. J'ai fait un petit peu comme la commande pro du jeu de dire. Et du coup, j'ai vraiment tous mes boutons sur le joystick. Si je veux lever qu'un élément, je lève qu'un élément. Si je veux lever tous les éléments, j'appuie sur une touche. Pareil pour la presse, donc le Y. J'ai vraiment tout. Par contre, j'ai plus rien de ce qui est fourche. Tout ce qui est fourche, et pour couper le bois, je fais tout à la souris. Parce que bah, pour le joystick, le ressort est un petit peu cuic-cuic. Donc du coup, voilà. Mais sinon, ouais, c'est vraiment tip-top. C'est vraiment tip-top. D'avoir tout comme tout à portée de main. Rien que sur un joystick, comme dans la vraie vie maintenant, hein, puisqu'ils sont tous équipés comme ça maintenant, hein, c'est pas que chez un, c'est tout le monde. C'est un plus, voilà, c'est un plus. Et surtout quand tu peux configurer comme tu le souhaites, genre tu souhaites mettre ton joystick comme ça, et ben c'est plutôt cool. Comme ça, ça me permet de passer sur Cattle et passer sur Farming. Heureusement, Cattle, j'y ai pas trop joué depuis un moment. Hein. Pourquoi tout simplement parce que la vidéo de la Gamescom m'avait énormément déçu de Cattle, donc du coup ça m'a déçu grave, mais j'en parlerai dans Cattle quand on y sera, vous inquiétez pas, je vais en tourner une vidéo. J'ai Gun Rush à finir aussi la saison, et j'ai la map à avancer, j'ai les 3D à faire, même si la map là j'ai pas avancé, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, je sais pas comment expliquer ça, Je suis quelqu'un qui, quand il aime quelque chose, quand il a envie de faire quelque chose et qu'il aime quelque chose, je suis à fond, je me donne à 1000%, tu vois. Mais si tu viens m'emmerder dans mes 1000%, genre si je prends trop de critiques ou autre, bah du coup je me mets plus à 1000%, je me mets à 4%, quoi. Genre, bah je me dis, bah, parce que moi je suis avant tout là pour le partage, le plaisir et l'amusement. Et du moment où je vois que les gens, ça les amuse plus et qu'ils sont plus là à taper du poing, hein, puisqu'on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des moments où c'est moi qui vais taper du poing sur la table. Mais et ben du coup, ça m'amuse plus. Et là, du coup, bah, la map ne m'amuse plus. Donc du coup, j'avance plus. Et Titi n'avance plus non plus, puisque c'est moi qui l'ai dans mon PC, donc il ne peut pas avancer dessus non plus. Voilà. Et je me dis, bah écoute, les gens n'avaient pas qu'à m'emmerder avec ça. Parce que j'avais pris tellement. Vous vous souvenez même qu'en live, je vous ai dit, normalement, pour ceux qui étaient là, que la semaine du 6, 8, 9, 10, 11 septembre, je ne lisais aucun commentaire. Finalement, j'ai craqué, j'ai quand même lu les commentaires parce qu'on venait de sortir de cette série. Et je voulais voir si elle plaisait ou pas. Malgré que les gens ont été un petit peu tintillés au début, parce qu'ils m'expliquaient que tout était marqué dans les aides du jeu. Ils n'avaient pas compris que nous, en fait, tout ce qu'on voulait, c'était calculer les prix de récolte, les prix de revient, combien la différence entre quelle culture rapporte le plus, quelle culture est plus rentable, mais que ça soit aussi niveau matériel et tout. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qu'on voulait calculer. Et c'est vrai que si vous retournez sur les premières, l'épisode 1 et l'épisode 2, vous allez voir les commentaires, les gens sont là, ouais, bah, c'est débile, t'as qu'à... C'est limite ça, hein. C'est pas, ils n'ont pas dit c'est débile, mais ils ont fait comprendre quoi, en fait, que tout simplement on n'avait qu'à aller dans les commentaires des gens. C'est pour ça que l'épisode juste avant, vous avez vu que j'étais un petit peu plus sur les nerfs. J'étais un petit peu plus énervé, que j'ai lancé quelques pics à propos de cette série. Nous on l'aime bien, laissez-nous tranquille là. Si vous aimez pas, comme je dis tout le temps, faut pas regarder. C'est vrai, vous aimez pas, regardez pas, c'est vrai. Normalement, de base, quand t'aimes pas quelque chose, tu regardes pas. Et donc voilà, et moi je suis quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a une majorité qui... Si je vois qu'il y a une majorité qui tape du poing, qui crache un peu trop dessus, ou qui sont un peu trop durs, ou trop direct, bah du coup, bah, je me braque, et bam, je fais autre chose. Voilà, je fais autre chose. Je suis obligé de m'isoler, quoi. Voilà. J'aime énormément la critique,
parce que voilà, ça sert à avancer. Vous voyez bien en live, je suis le premier à vous demander, tiens, vous voulez qu'on mette un arbre ici? Ah non, vous trouvez que c'est bien? Ah non, toi tu trouves que c'est pas bien? Ouais, t'as raison, on va l'enlever, tu vois. Mais ça, c'est constructif, tu vois. Ça apporte un plus. Et les critiques, genre comme le mec qui est passé 50 fois là et qui m'a marqué c'est nul et que j'ai dû supprimer ses messages 50 fois, je suis désolé, au bout d'un moment, excusez-moi, mais je craque quoi. Et donc, du coup, c'est ça. Voilà, il y a ce côté je craque. Et donc, du coup, voilà, je suis plus à 1000% sur la main. Je tiens les toilettes envers vous parce que on a toujours été. Mais sur le live, je l'ai dit, j'ai été honnête, j'ai dit voilà, ça m'amuse plus, j'en peux plus. Voilà. Je craque. Et la team était témoin parce que ils étaient témoins, ça faisait 15 jours que j'en pouvais plus. Genre je me donne à 4000% pour réaliser des 3D, pour réaliser un truc bien, et bam, tu te fais massacrer. Et tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi toi tu te fais massacrer. C'est ça le problème. Genre tu peux faire n'importe quoi, genre n'importe quelle connerie sur farming. Je peux vous faire une presse qui sort 2 millions de bots à la seconde, genre je vais t'applaudir. C'est vrai ça? Genre ça va être... genre les gens vont me dire je suis le meilleur youtubeur du monde et puis que je suis... que je suis meilleur. Lol, les gars, il y a un problème. Il y a un problème, non? Ouais, je sais pas, moi. Je sais pas, moi. Il y a vraiment un souci quelque part. Hein. Mais là, bon, c'est... Heureusement que vous êtes seul juge. Hein. Putain. Mais bon. Mais tout ce que je demande, ouais, c'est juste un peu plus de tranquillité. Donc j'essaie de me mettre à l'abri de tous ces commentaires. Donc, vous voyez, m'excuser si je suis passé outre votre commentaire qui était positif et qui était plein de charme pour la chaîne et que j'ai passé à côté de tous vos messages privés la semaine dernière. Parce que en toute honnêteté, j'ai regardé un petit peu, mais très peu. Mais j'ai regardé un petit peu, j'ai triché. Hein, j'avais dit que je regardais pas, mais j'ai triché un petit peu. J'ai vu un petit peu des trucs. Et, voilà, ça faisait plaisir et tout. Et il y avait des trucs où c'était moins plaisant. Mais ouais. Et c'est juste parce que voilà, j'avais besoin de me mettre à l'abri. Je tenais à vous le dire et à m'en excuser. Voilà. Si j'ai pas répondu à votre commentaire, remettez-le, je vais y répondre. Voilà. Les gens, on va se laisser là-dessus. Je vais continuer à ce message. Je vais aller récolter mon colza tranquillement. Je vais voir si Cédriac est revenu parce que Cédriac est dans le channel bureau, mais on l'entend pas. Il faut savoir que Cédriac est dans ses projets map et tout. Un gars comme Cédric, j'aurais jamais vu, en toute honnêteté, j'aurais jamais vu essayer de se pencher sur des 3D et sur des 3D et sur du mapping. Un gars comme Cédric, quoi. Même moi, je suis là, j'ai encore du mal à le sortir de ma bouche, quoi. Un gars comme Cédric se penche sur des 3D et du mapping. What the fuck, man? J'aurais jamais pensé. Genre, hey, je suis content, hein. Franchement, je suis content. Oh, attends, j'ai pas bien levé. Je suis très content parce que voilà, il a envie de faire plaisir aussi, il a envie de ce petit côté partage et puis il a envie de se faire plaisir aussi. Et du coup, bah, je suis plutôt content. Voilà, on initie des nouvelles personnes et ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est un peu le but, hein. Normalement, une chaîne, c'est de pouvoir partager, mais aussi faire découvrir aux autres et leur donner envie de le faire aussi, tu vois. Ouais, les petits bouts là, vous inquiétez pas, je vais les avoir tout à l'heure. Je vais faire en travers. Voilà. Donc pour l'instant les graines de colza j'avais 830 litres quand j'ai commencé, je suis à 664, ouais, ça va. Colza c'est pas trop mal. Après ah oui, d'ailleurs, on vous l'a pas dit. Je sais pas si on vous l'a dit, mais attention au décompacteur. Le décompacteur enlève des graines. Genre il faut mettre plus de graines avec ce combiné que si on le met avec un autre semoir. Et Cédriac lui il a encore fait pire. Il a enlevé la herse et il a semé décompacteur plus semoir sans la herse. Et ben 1100 graines je crois de plus par champ. Ouais 1100 graines à peu près. Entre 1000 et 1100 graines de plus. Parce que le décompacteur enlève énormément les graines. Déjà moi il m'enlève des graines sur les côtés là. Vous voyez? Regardez. Regardez là. Là. Regardez, hop. Il m'enlève déjà ce que j'ai semé pour repasser à côté. Vous voyez? Et ben on voit une différence. Genre, est-ce que je peux vous montrer une différence? Une grande différence. Est-ce que je pourrais vous montrer ça?
Peut-être pas de mon côté. Alors ici on était en 4 mètres, ici on était en 4 mètres, et là je l'ai semé en 6 mètres. Donc le champ 48, je l'ai semé en 6 mètres. Non. Non, c'est pas ça. Le champ 48 a été semé. Ouais, mais c'est pas la même variété. C'est pas la même variété. Et vu qu'on sait que l'orge, il faut plus de graines. Ouais, l'orge, il faut plus de graines. Mais attendez, est-ce qu'on pourrait voir? Genre l'avoine. Moi, je l'ai semé avec ça. Et avant, je le semais avec. Voilà. Ah, y a, là, il n'y a pas de grande différence. Là, il n'y a pas de grande différence. Mais là, on était en 4 mètres. Et là, je l'ai semé en 6 mètres. Ouais, non, il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas de grande différence, donc ça va. Chez moi, il n'y a pas de grande différence. Et chez lui, il y a de la différence de fou. Chez lui, il y a de la différence de fou. Là, il y avait une différence de quoi? 80, 90? C'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Mais bref. On sait qu'il en arrache quelques-unes, quoi. Mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Est-ce que ici, ouais, ici je peux mettre encore une rangée. Les gens, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde!